Good morning, allez-y, Dan, les chussures aujourd'hui, le Lunish Matri, Sharon, bonne fortune, Mazal, Claudie, Srak, bonne fortune, Mazal, Adam, Miriam, Bateleza, Sayak, si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions la Sechet Souka, Perik Bet, Mishnah Vav, Rabbi Eliezer, Omer, Arba, Esres, Oudot, Raya, Adam, Lechol, Basuka, Achat, Bayom, Ve, Achat, Balaila, Vachachamim, Omrim, En, Ladabar, Kitzba, Chutz, Mi, Leile, Yom Tov, Shel Chag, Bilvad. ועוד אמר רבי אליעזר, מי שלא אכל לילי יום טוב הראשון, ישלים בלילי יום טוב האחרון. והחכמים אומרים, אין הדבר תשלומין, ועל זה נאמר, מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל להימנות. On découvre à présent, on continue en fait, sur la mitzvah de s'asseoir dans la soukha, quand elle s'impose, combien, quelle est la quantité à faire réaliser. Sur ça, on a Rabbi Eliezer, Omer Rabbi Eliezer qui nous dit Arba Esresoudo Traya Adam Lechol Basuka. 14 repas, l'homme a le devoir de consommer dans la soukha, Achat Bayom Vachat Balaila, une en journée et une de nuit. Soit, Rabbi Eliezer nous dit écoute, la mitzvah de la soukha, la soukote, ça dure 7 jours, après il y a le 8e, c'est Sheminat Seret, c'est une nouvelle fête. 7 jours de fête, une fois le jour, une fois la nuit, tu as l'obligation de partir faire un repas dans la soukha. Au même titre que nous, que Chachamim vont nous dire, Chachamim, en la davar kitzba, non, il n'y a aucune limite, tu fais ce que tu veux, tu n'es pas obligé de manger, si tu veux, tu ne manges pas, tu veux jeûner, tu veux te contenter de manger des fruits de manière provisoire à l'extérieur de la soukha, tu peux le faire tous les jours si tu veux, à une seule exception, Chutz melei le yom tov arishon shel chag bilvad, à l'exception du premier soir de soukot uniquement. C'est-à-dire que quand Chachamim me disent, bah soukot teshvu shivat yamim, vous vous installerez dans la soukha pendant 7 jours, si toutefois tu veux t'installer, mais si tu préfères partir, sans te fixer, tu vas te promener toute la journée, et sans rentrer dans la soukha, tu vas manger que des consommations provisoires pendant 7 jours, tu t'acquittes, mais tu n'es pas imposable de soukha. À une seule exception, le premier sort de soukha. Cette fois-ci, ce n'est pas déduit du pasouk de la soukha, mais c'est déduit par xerashava, par juxtaposition avec le à Pessah. À Pessah, le soir de Pessah, pendant tout Pessah, on n'a pas d'obligation de manger de la matzah. Tu veux, tu manges, tu veux, tu ne manges pas. Juste un interdit de manger du hametz. Mais la matzah, tu n'as pas d'obligation. À l'exception du premier soir de Pessah, tu as l'obligation de manger de la matzah. Et on apprend Khamishasar, Khamishasar, ou Bachamishasar, ouais, toutou, tête vave. Xerashava, toutou, ça s'appelle. Khamishasar, Khamishasar, on apprend que, autant qu'à Pessah, tu as l'obligation de soir de Pessah, de manger de la matzah, le premier soir de Sukkot, tu as aussi l'obligation de manger dans la soukha. Ok? Donc selon Rabbi Eliezer, quand il est marqué, bah, Sukkot teshvu shivat yamim, c'est une obligation pendant 7 jours, vous installez pendant la soukha, une fois de jour, une fois de nuit. D'après Chachamim, c'est, si tu veux t'installer, tu devras le faire dans la soukha. Si tu ne veux pas t'installer, tu peux, sauf le premier soir, comme ce qu'on a dit. Véodama Rabbi Eliezer, et une autre chose, il a rajouté Rabbi Eliezer, Mi shelo achal leile yom tov arishon, celui qui n'a pas fait de repas le premier soir de Sukkot, yashlim be leile yom tov acharon, il pourra compléter avec le dernier soir de Yom Tov. C'est-à-dire, Sukkot ça dure 7 jours, et le 8e jour c'est Shemini Atzeret. Maintenant, il pense à Eliezer que si tu as manqué, alors on va dire le premier soir de Sukkot, tu n'as pas mangé dans la soukha, tu avais un empêchement, tu n'as pas réussi à faire la misa, sache que tu as encore un rattrapage, c'est que le 8e soir de Sukkot, donc le soir de Shemini Atzeret, eh bien, tu vas faire un repas spécial en l'honneur du Sukkot manqué. C'est un rattrapage. En fait, de toute façon, tu as quand même une nouvelle exemple, c'est vraiment pas le soir de Shemini Atzeret. Donc sur ça, la Gemara explique, en fait, on parle que tu vas faire un plat supplémentaire. C'est-à-dire, dans le repas que tu vas faire, tu vas ajouter une part supplémentaire encore plus délicate en l'honneur du rattrapage de Sukkot et tu t'acquittes de ta mitzvah, tu te rattrapes et tu t'acquittes de la mitzvah que tu n'as pas réalisée. Au même titre que dans les corbanotes, il y a aussi une possibilité de compléter les corbanotes que tu n'as pas portées. C'est le même principe, selon Rabbi Eliezer. Ça, c'est donc son avis. La Chachamim en Mourim, tandis que Chachamim nous dit, non, il n'y a pas de rattrapage. Tu avais une mitzvah à faire, si tu l'as manqué, c'est raté. Et alors quoi? Valzen et Mar, sur une situation pareille, ça a été dit que, Me'uvat lo yuchal litkon, quelque chose qui est foncièrement tordu, Me'uvat c'est quelque chose qui est tordu, yivut. Mais selon le principe, on comprend que c'est quelque chose qui est
tordu dans son essence, eh bien, l'oyuchalitkon, il ne pourra plus jamais être redressé. Tu auras beau le frapper, le truc, l'orienter, il sera plus droit comme il faut. Même chose, t'as manqué ta mitzvah, c'est le même principe. Le chesron, l'oyuchalimanot, et ce qui est manquant ne pourra plus être compté. Il n'y a plus de rattrapage, en fait. C'est un peu ce qu'il y en a qui nous dit que dans plein de situations de la vie, c'est dans Kohelet, plein de situations de la vie, tu te retrouves avec des situations bloquées où on a détérioré quelque chose, on ne peut plus le réparer. D'accord? Et là, la halakha est retenue comme chachamim pour les deux choses. D'une part, que l'obligation de manger dans la soukha, c'est que le premier soir de soukha. Et d'autre part, si tu as manqué à ta misa, tu pourras peut-être rattraper le 8e soir de Shmini Atzeret. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.